أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. Ce récit qui parle d'un homme qui a vécu il y a tout de même de très nombreuses années ne doit pas être une histoire qu'on écoute, dont l'intrigue va nous étonner, mais qu'on va ensuite oublier. Au contraire, nous devons regarder dans cette histoire ce que nous sommes susceptibles de faire comme péché, et faire en sorte que ce récit améliore notre façon de nous comporter. Du temps du prophète Moussa alayhi salam, vivait un homme du nom de Qarun, reconnu par certains exégètes comme étant le cousin de Moussa alayhi salam, et donc faisant partie des Bani Israël. D'après Qatada, il était surnommé An-Nur, la lumière, tellement sa voix était mélodieuse lorsqu'il récitait la Torah. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de s'enrichir au cours de sa vie, jusqu'à ce que sa fortune cause sa propre perte et prenne le dessus sur lui. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Il possédait une telle fortune que d'après ce que nous révèle Allah subhanahu wa ta'ala, rien que les clés de ses trésors pesaient un poids colossal et étaient difficiles à porter même pour des hommes qu'Allah lui-même a qualifiés de forts. Et selon certains mufassirin, il a fallu pas moins de 40 hommes robustes pour les porter. Et ces mêmes hommes ressentaient pour cela des difficultés. Si donc les clés étaient si énormes, que dire alors de ce que ces clés pouvaient ouvrir et l'immensité que cela pouvait contenir comme trésor? Durant la vie du fils d'Adam, Allah éprouve son serviteur, pas seulement en lui retirant des choses qui lui causeront des difficultés, mais aussi en donnant un ou plusieurs bienfaits qui pourront soit le guider, soit totalement l'égarer. Lorsqu'une personne possède plus que les autres dans une ville ou une communauté, selon ce que fait cette personne de ses biens, elle sera plus ou moins remarquée. Qarun, dans son cas, ne se privait d'absolument rien et envers les gens était extrêmement arrogant. Son peuple se mit donc à le conseiller afin que sa fortune ne finisse pas définitivement de l'égarer. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Cela démontre l'orgueil dont faisait preuve Qarun, qui a rejeté le rappel alors qu'on lui a bien rappelé qu'il ne devait pas oublier sa part ici-bas en profitant correctement de ce qu'autorise Allah. Et grâce à cette richesse colossale qu'il avait amassée, qu'il répande le bien autour de lui, de la même manière qu'Allah l'avait enrichi. Mais Qarun se pensait meilleur et beaucoup plus intelligent, car selon lui, c'était uniquement grâce à sa science qu'il s'était enrichi. Il disait aussi que c'était une fortune qu'il méritait, en prétextant également que si Allah ne l'aimait pas, il ne lui aurait pas donné tout ça. On voit dans un autre verset qu'Allah nous rappelle qu'il a envoyé Moussa alayhi salam à Qarun, Fir'aun et son homme de main Haman. Et le simple fait d'être cité à côté de ces hommes parmi les pires de l'humanité est la preuve que son comportement était parmi un des pires. On voyait déjà que sa fortune l'empêchait à présent d'avoir un bon discernement. Cela ressemble aussi au cas d'un homme dans la sourate Al-Kahf qui possédait des jardins et prétendait que s'il était ramené vers son Seigneur, il recevrait encore mieux que ce qu'il avait, alors qu'il vivait en pleine injustice et qu'il avait même prononcé une parole de mécréance. Aussi à cette époque, les gens n'étaient pas inattentifs au fait que certaines cités aient auparavant été pulvérisées, cela alors qu'elles possédaient beaucoup plus que lui. Mais cela n'arrêta pas l'orgueil de Qarun qui ne faisait qu'augmenter. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Il fit donc une action que beaucoup font de nos jours, c'est-à-dire se montrer, lui ainsi que toute sa richesse, pour ainsi se vanter et aussi se faire remarquer. Que ce soit ses chevaux et même ses servants, tous ont été ornés afin de montrer sa richesse et sa supériorité. Certaines personnes qui avaient une inclinaison, un amour envers cette vie d'ici-bas, souhaitèrent avoir la même fortune qu'ils avaient vue ce jour-là. Mais c'était cette même fortune qui causa sa perte, car il prit l'initiative de comploter directement contre Moussa alayhi salam. Et d'après Ibn Abbas, Qarun a payé une prostituée afin qu'elle aille accuser en public le prophète d'Allah d'avoir commis un énorme péché. Moussa alayhi salam était choqué, désemparé par ce qu'il avait entendu. Il accomplit alors 2 rak'at et lorsqu'il eut terminé, c'est alors qu'il lui dit « Par Allah, qui t'a payé, qui t'a engagé pour faire cela ?» La femme se sentit contrainte de dire la vérité, elle accusa Qarun et se repentit de son péché. Pendant ce temps, Moussa alayhi salam invoqua contre lui et Allah subhanahu wa ta'ala lui révéla qu'il lui avait soumis la terre qui était prête à lui obéir. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Qarun fut englouti par la terre, lui, sa richesse et même sa maison. Sa science dont il se vantait ne lui servit à rien, de même que les hommes forts à son service ou tous les biens qu'il avait acquis tout au long de sa vie. Ce qu'il possédait fut englouti et le lendemain, les gens virent qu'il ne restait plus rien de lui. Et les mêmes personnes qui espéraient être comme lui se réjouirent qu'Allah ne les avait pas éprouvés avec la fortune que Qarun a reçue, car eux aussi auraient dans ce cas pu finir comme lui. Comme on l'a vu dans cette vidéo, l'argent, le statut, le prestige ou n'importe lequel des bienfaits ne servent absolument à rien si Allah, de la façon dont il les utilise, n'est pas satisfait. Revenons sur la parole de Qarun qui dit que tout ce qu'il possède provenait uniquement de lui. Si Allah lui avait retiré la santé, est-ce qu'il aurait autant pu en profiter? S'il était né dans un groupe de bédouins, aurait-il été aussi orgueilleux? Et s'il vivait à une autre époque, aurait-il seulement eu la liberté? Nous devons nous rendre compte des bienfaits d'Allah et ne pas seulement être content au point de ne plus raisonner, être heureux au point de devenir orgueilleux, et utiliser notre richesse pour petit à petit toujours plus nous égarer. Les histoires du Coran sont pleines d'enseignements pour tout type de musulmans. À nous d'ouvrir le Coran, de le lire, nous y accrocher, et surtout appliquer ces enseignements. Et celui qui fait cela n'aura d'autre issue que de réussir au jour du jugement. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداً